Hey, salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dernièrement, on a regardé comment corriger le bug de l'écran noir sur OBS et aujourd'hui, on va essayer de réparer l'erreur qui apparaît quand vous allez dans Diffuser en direct, Fail to connect to the streaming server. Donc que vous avez une erreur de connexion et il vous demande de vérifier votre connexion Internet. Vous avez certainement fait des tests sur fast.com et vous avez vu que vous avez assez de mégabits pour arriver à soulever cet issue. Donc première chose à faire, c'est d'aller sur l'onglet Paramètres à gauche. On va aller dans Sortie. Et là, il faut bien vérifier qu'on n'est pas dans l'Ouest. Alors, je vous invite à choisir l'un des trois. Moi, personnellement, souvent, je me mets en High Quality parce que j'ai la fibre à la maison. Et on valide. Vous fermez l'application, vous la réouvrez, vous réessayez. Si ça ne fonctionne pas, il va falloir suivre les étapes suivantes. Donc là, on est à l'étape 2. Donc, ce qu'il va falloir faire là-bas, les gars, c'est désinstaller votre application. Une fois que vous l'avez désinstallée, on va aller ici. Et on va taper app data. Alors je vais tout mettre dans la description, ça sera plus simple pour tout le monde. Donc une fois que vous avez tapé ça, vous cliquez dans le dossier. Et quand vous ouvrez en grand, on va avoir deux fichiers, d'accord? Il va en avoir un, ça va s'appeler Slob Client. Et l'autre, ça va être Streamlab OBS. Donc il faudra supprimer celui-ci et celui-ci. Vous les supprimez une fois là-dessus, une fois sur votre corbeille, et suite à ceci, vous réinstallez l'application. Vous retournez sur votre diffusion en direct et vous réessayez. À bien vérifier que vous n'êtes toujours pas en lowest quality, très important. Toujours choisir l'un des trois, parce que sinon le bug peut revenir. Et vous pouvez à présent diffuser en direct. Donc voilà, ça c'était un tuto simple. Ça m'est déjà arrivé. Je me suis dit, ouais, il faudrait que je fasse un tuto quand j'aurai le temps. Donc là, j'avoue, j'ai un peu le temps. Donc c'est pour ça que je vous partage cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous aura servi. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Ce que je vous invite à faire, c'est à cliquer sur la playlist de tous mes tutos Streamlabs, OBS. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, tout le monde. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao, ciao, tout le monde!